Un héros, super qualité, les vélos ils t'emmènent partout. Je suis un marchand de tapis, et toi? Bon, eh bien je pense que je ne vais pas pouvoir tourner dehors. Ok, c'est bon, je suis obsèque, je vais pouvoir vous faire la vidéo tranquille. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on m'a tellement critiqué en tant que vendeur ou commercial parce que j'avais ce bagou-là depuis très longtemps, qu'on m'a toujours catalogué comme un marchand de tapis et comme un mec qui vend du rêve, que j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo avec les tripes. Et ce qu'on va voir, c'est que premièrement, oui, je suis un marchand de tapis. Deuxièmement, tu es autant un vendeur que moi. 10 euros, je te vais 10 euros les serviettes, pas cher, la vérité pas cher, fais-moi confiance. Elle aura pas mort tes serviettes, c'est de la merde là, c'est quoi ton produit de brin? Il y a quand même quelque chose qui me paraît important d'intégrer aujourd'hui, c'est que le commerce a tellement évolué aujourd'hui que le rapport de force entre le client et le commercial a complètement changé. C'est fini aussi l'image du commercial avec sa mallette, son petit costume trop grand pour lui, qui fait du porte-à-porte avec un speech qui est déjà formaté et qui fait que ressortir comme ça à tour de bras. Et la troisième chose que j'aimerais voir ensemble dans cette vidéo, c'est que toi aussi, t'es un vendeur. Et tu le sais. Cette vidéo est une fois de plus basée, les amis, sur un coup. Vous êtes vendeur, le saviez-vous, de Daniel Pink. Comme d'habitude, je vous laisse le lien dans la description pour télécharger et regarder un peu ce que vaut Coober. Avec le lien, vous avez le droit à 1 mois ou 8 euros gratuits, je ne sais plus. Vous pouvez télécharger juste ici, juste là, dans la description, je vous mets le lien, c'est sûr. Un pack de 6 vidéos que je vous offre pour votre inscription. Tout sur le mindset d'un entrepreneur à succès, comment vous blinder niveau mindset pour réussir dans votre projet. Aujourd'hui c'est fini les amis, le mec en porte-à-porte avec son costume mal taillé là, qui vient avec sa mallette pour vous vendre vos dictionnaires. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a tellement eu d'informations, de contre-informations et d'arnaques également avec ces systèmes de vente porte-à-porte que l'image du commercial a vraiment changé. Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'avoir ces techniques un peu à la con où vous arnaquez à chaque fois les gens et où il y a un rapport de force qui est clairement en votre côté pour pouvoir être un bon commercial et pour pouvoir réussir dans ce domaine. Les codes ont littéralement changé. Et ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux faire du commerce sans forcément porter un costume 3 pièces, sans avoir envie d'arnaquer les gens, tu vois. Tu peux littéralement avoir envie de faire du commerce en étant éthique, en étant en accord avec tes valeurs et sans mettre des douilles aux gens. Alors bien évidemment, je t'invite à ne pas aller bosser dans toutes les boîtes où tu vas vendre des portes et fenêtres en porte-à-porte. Souvent là, bon, je veux dire, il y a un peu de tentative. Si tu vends des assurances, c'est souvent un peu la même cam, quoi. Je veux dire... Un commercial aujourd'hui, c'est surtout quelqu'un qui va apporter une solution à quelqu'un et qui va souvent mettre en place des deals qui vont être win-win. Et une des raisons principales de ce changement, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, le client est roi. Le mec, il pourrait raconter tout ce qu'il veut, il pourrait vous mentir, vous bombarder tout ce qu'il veut. En 5 minutes, vous ouvrez Google et vous trouvez la réponse à votre question. Vous pouvez savoir qui est le mec, quelle est sa société et qu'est-ce qu'il a mangé à midi. Donc aujourd'hui, clairement, le commerce est plus basé sur ce bullshit et sur sur toutes ces mensonges qu'on pouvait sortir aux gens pour essayer de leur escroquer un peu d'argent. Aujourd'hui, c'est vraiment plus basé sur des relations long terme, win-win, et dans lesquelles il vaut mieux être éthique, dire la vérité et pouvoir assumer ce qu'on dit, parce qu'en 5 minutes, on se fait déglinguer aujourd'hui grâce à Internet. Un client peut donc facilement publier un avis sur vous, regarder les autres avis clients et se faire une idée de votre produit tout en comparant les prix. Et donc, ce qui nous amène à la dernière partie de cette vidéo, la partie qui me plaît le plus, vous êtes autant un vendeur que moi. Plutôt cool, non? Vous qui aviez un dégoût à la limite du dégueulis du commercial, vous êtes commercial. En fait, on fait de la vente tous les jours dans toute situation de notre vie. Dès que vous voulez rallier quelqu'un à votre cause, à votre idée, eh bien finalement, vous faites de la vente. Vous lui vendez votre idée. Il y a des exemples comme ça dans chaque domaine de la vie. Je pourrais vous en sortir des millions. Avec vos amis, dans votre boulot, avec votre femme, avec vos enfants, vous essayez toujours au moins de vendre une idée, de vendre un concept, de vendre votre décision, votre opinion. Et si ce n'est pas de la vente directe dans lequel vous allez avoir un échange de services ou un échange de valeurs, il va forcément y avoir un échange indirect, c'est-à-dire que vous allez faire véhiculer une idée pour plus tard. Donc maintenant que vous êtes des commerciaux, autant bien le faire, pas vrai? Alors voici quelques traits de caractère, quelques tips et choses qui font que vous allez devenir un bon commercial. Le savoir-être, c'est essentiel. Si vous voulez bien fonctionner dans le commerce, vous devez avoir un savoir-être qui est irréprochable, bien avant le savoir-faire.
il faut être capable de se persuader soi-même, de positiver et de relativiser les choses. Ça va vous aider à gérer les downswings et à gérer les mauvaises ventes, les mauvaises situations qui vont fréquemment arriver au début. Il faut avoir une très bonne offre, ça aide. Il faut un bon pitch également. Votre pitch va littéralement être votre arme pour pouvoir convaincre en quelques secondes, faire la différence sur votre marché. Il faut être capable de faire preuve de flexibilité, d'adaptation. Aujourd'hui, le commerce, c'est surtout une question d'improvisation dans des situations les plus abracadabrantes possibles. Et dans tous les cas, les amis, le commerce, ça reste une relation humaine. Donc, c'est vraiment pas une science exacte. Il y a toujours énormément de surprises et c'est vraiment ce qui rend ce métier intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si vous voulez plus d'infos sur l'entrepreneuriat, le commerce, le marketing, bref, tout ce qui constitue une société de nos jours. Moi, je vous dis à très vite dans notre prochaine vidéo, les amis. Continuez, tapez-vous dur, continuez à bosser sur vos projets. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao. Vous pouvez cliquer sur cette bouteille d'eau à cet endroit-là si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez, voilà, vous cliquez sur cette bouteille d'eau. Et si vous voulez regarder la dernière vidéo, vous pouvez cliquer sur cette deuxième bouteille d'eau et là, vous allez regarder la dernière vidéo. Vous abonnez à la chaîne et regardez la dernière vidéo, vous pouvez cliquer sur les bouteilles d'eau, les amis. C'est parti.